Offre de contrat de crédit. Prêt personnel. Référence. Emprunteur. Nom. Prénom. Né le. Adresse de l'emprunteur. Type de crédit. Prêt personnel. Montant total du crédit. Conditions de mise à disposition des fonds. Le montant total du crédit est versé en une seule fois à l'emprunteur. Après expiration du délai de rétractation, à la date qu'il a indiquée lors de sa demande de crédit. Durée du contrat de crédit. Montant des échéances. Nombre des échéances. Périodicité des échéances. Taux débiteur annuel fixe. 9,140%. Taux annuel effectif global fixe. 10,899%. Montant total dû par l'emprunteur. Frais liés à l'exécution du contrat de crédit. Frais de dossier déduits du premier versement. Frais de report. Paraphe. De remboursement par l'emprunteur. 1-1, remboursement du crédit. 1-2, report de la première échéance. 1-3, versement successif. 1-4, modification dans les modalités de remboursement. 1-4-A, report, modulation des échéances. 2, identité et adresse des cautions éventuelles. Pas de caution exigée. Paraphe. Relative aux conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit. 3.1. Conditions de conclusion du contrat de crédit. 3.1A. Acceptation de l'offre de contrat de crédit. Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur. À partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, FICP, de la Banque de France. Si cette offre de contrat de crédit lui convient, l'emprunteur doit faire connaître au prêteur qu'il accepte en lui renvoyant un exemplaire de cette offre de contrat de crédit dûment rempli. Après l'avoir paraphé et signé. 3.1.B. Existence et modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur. 3.2. Rétractation de l'acceptation. 3.3. Disposition de l'article L311-14 du Code de consommation. Information relative à l'exécution du contrat de crédit. 4.1. Remboursement par anticipation. 4.1.A. Conditions et modalités de remboursement du crédit par anticipation. 4.1.B. Conditions et mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. 4.2. Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur. L'emprunteur est susceptible de faire l'objet d'une déclaration au fichier national des incidents de remboursement des crédits FICP, tenu par la Banque de France et consultable par tous les établissements de crédit. L'emprunteur pourra également faire l'objet de poursuites judiciaires en cas de défaillance de sa part dans les remboursements. Toutefois, préalablement à toute difficulté financière, le prêteur invite l'emprunteur à contacter son agence pour étudier sa situation. Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour l'emprunteur, et notamment l'empêcher d'obtenir un nouveau crédit. 4.3. Taux d'intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance. Paraphe. 4.4. Droit à un tableau d'amortissement. L'emprunteur a le droit d'obtenir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement à sa demande et sans frais, à tout moment durant la durée du contrat de crédit. 4.5. Solidarité entre les emprunteurs et les cautions. 4.6. Obligation d'information. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.
5-1, service consommateur. 5-2, litige. 5-3, autorité de contrôle prudentiel. 5-4, autorité administrative. Paragraphe 6. 7. 7-1. 7-2. Date. Signature. Acceptation de l'offre de contrat de crédit édité le est valable 30 jours, soit jusqu'au. Après avoir pris connaissance de la fiche d'information européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs, des caractéristiques essentielles du crédit, ainsi que des conditions de l'offre de contrat de crédit, je déclare y adhérer sans réserve et restant en possession d'un exemplaire de la fiche d'information ainsi que d'un exemplaire de l'offre de contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation figurant à la suite des conditions du contrat. Je déclare avoir reçu du prêteur les informations nécessaires. Je sous-signe déclare accepter la présente offre de contrat de crédit. J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements que j'ai fournis à l'appui de la demande du présent crédit. Je reconnais qu'en cas d'adhésion à la durance facultative de la caution, ces cotisations mensuelles d'assurance seront à ma charge. Coché. En cochant cette case, je demande le déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours, soit dès le 8e jour suivant la date de mon acceptation de l'offre du contrat de crédit. J'accepte expressément l'utilisation de la langue française durant les relations contractuelles. Déclaration relative au démarchage bancaire ou financier. Article L341-12 du Code monétaire et financier. Je déclare en cochant la case ci-contre, cocher, que la présente offre résulte d'une prise de contact que j'ai sollicitée. Date. Signature de l'emprunteur. Paragraphe. Notice d'information à conserver par l'assuré. Contrat d'assurance de groupe en couverture de prêt. Définition. Pour l'exécution du présent contrat, les définitions suivantes sont retenues. Prêteur est ainsi dénommé la banque ou filiale qui a consenti le prêt. Emprunteur est ainsi dénommé toute personne ayant rempli et signé les formalités d'adhésion au présent contrat d'assurance. Il s'agit des emprunteurs, des co-emprunteurs et de leur caution. Assuré est ainsi
ainsi dénommé, tout emprunteur dont au moins une garantie du présent contrat d'assurance a pris effet. Accident. L'accident centre de toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant exclusivement et directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. Sans activité professionnelle, est ainsi considérée toute personne qui est sans profession, ainsi que les personnes en retraite ou pré-retraite, quelle qu'en soit la cause. Néanmoins, une personne en retraite ou en pré-retraite qui exerce une activité salariée ne relève pas de cette catégorie. Article 1, objet du contrat. Article 2, information. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7. Article 3, champ d'application du contrat. Paraf. Article 4. Bénéficiaire de l'assurance. Article 5. Population assurable. Article 6. Montant maximum garanti. Article 7. Répartition de l'assurance sur la tête des emprunteurs. Article 8. Formalité d'adhésion. Article 9. Territorialité du contrat. Article 10. Date de conclusion de durée de l'adhésion. 10.1. Date de conclusion de l'adhésion. 10.2. Durée de l'adhésion. Article 11. Article 12. Cessation des garanties. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12.10. Paraf. 12-13. Et en tout état de cause au plus tard, au jour du 65e anniversaire de l'assuré pour les garanties ITT et PTIA. Au jour du 75e anniversaire de l'assuré pour la garantie d'essai. Article 13. Faculté de renonciation. Article 14. Risques exclus. Les risques suivants ne donnent pas lieu à une garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'assureur lorsqu'il résulte des cas suivants. Suicide de l'assuré dans la première année d'assurance à compter de la prise d'effet des garanties. Exclu. Les exclusions visées à l'article L113-1 du Code des assurances, exclues. Les conséquences des faits de guerre civile ou étrangère, quel qu'en soit le lieu et les protagonistes, dès l'instant où l'assuré prend une part active, exclues. Les conséquences des faits d'émeute, d'insurrection, d'attentat et d'actes de terrorisme, quel qu'en soit le lieu et les protagonistes, dès l'instant où l'assuré prend une part active,
l'incapacité temporaire totale de travail, ITT, qui résulte d'affectations psychiatriques, psychiques ou neuropsychiques, dont les états dépressifs, quelle que soit leur nature. Sauf si cette affectation nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continue, hors hospitalisation de jour, ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une affectation citée dans la précédente clause. Exclu. L'incapacité temporaire totale de travail, ITT, qui résulte d'atteinte discale ou vertébrale, lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, sauf si cette affectation nécessite une intervention chirurgicale pendant la durée d'ITT. Dans les deux cas susvisés, la durée de l'hospitalisation de plus de 15 jours continue, hors hospitalisation de jour. L'intervention chirurgicale s'apprécie à chaque demande de prise en charge au titre de la garantie ITT. Article 15. Règles de calcul des prestations. Paraf. Article 16. 16.1. Garantie d'essai. 16.2. Garantie perte totale et irréversible d'autonomie. PTIA. 16.2.1. 16.2.2. 16.3. Garantie incapacité temporaire totale de travail. ITT. 16.3. 16.3.1. 16.3.2. 16.3.3. Paraf. Article 17. Article 18. 18.1. En cas de décès. 18.2. En cas de PTIA. Paraf. En cas d'ITT. 18.3.1. 18.3.2. Article 19. Paraf. Article 20. Article 21. Article 22. Article 23. Article 24. Article 25. Paraf.